Est-ce que vous savez combien de personnes disparaissent chaque année en Italie? 20 000. Mais une disparition n'est pas un crime. Disparition volontaire, disparition involontaire, deux petites lettres qui changent et vous avez un acte banal qui se transforme en crime. Bonjour, Elio. Enchanté, Sandro Riva. C'est la dernière image de ma fille. À chaque fois, j'espère remarquer un petit détail qui aurait échappé aux yeux des enquêteurs. Il y a 2 mois, j'ai fêté mes 50 ans. Chiara, elle n'aurait jamais manqué ça. Je me souviens que quand... Merveilleux. Voyez tout ça avec lui, il est doué pour visualiser, pour prendre des notes, tout ça. Pourquoi leur parler comme ça? Parce qu'il suffit d'une seconde pour que ton image de la disparue soit polluée par ce qu'on dit d'elle. Si ses parents la connaissent si bien, pourquoi ils l'ont pas retrouvée? Qu'est-ce que tu racontes? En revenant à Gênes, il a accepté de revenir dans une ville, dans une maison, dans une vie qu'il avait quittée il y a plus de 20 ans. Va-t-il tenir le coup? Accepter la prochaine affaire? Je l'espère. En attendant, nous devons nous montrer patients. Parce qu'avec lui, on n'a pas de seconde chance. Il faut espérer que cette affaire suffira à le convaincre de rester. Alors tu décides quoi? Tu pars à ma recherche ou tu retournes vivre ta vie? Je vais te retrouver. Et après je me tire. Ok. Bonne chance alors.